C'est des repas qui s'adressent à tout le monde, aussi bien les Aiglons que les communes voisines. Et en réalité, le but, c'est surtout de réunir des personnes qui sont ou toutes seules à la maison ou qui ont le plaisir de se retrouver avec des collègues lors de ces repas. 12 bénévoles, c'est 7 ou 8 en cuisine. C'est quelques bénévoles qui viennent à 8h30, 9h le matin pour mettre la salle en place. Et puis, je dirais, c'est quand même tout le monde donne un coup de main, disons, au niveau de notre cuisinier professionnel. Pourquoi vous avez décidé de venir ici ? En fait, mes parents venaient manger au Filin quand ils étaient âgés. Donc c'est... Ils ont apprécié. C'était l'occasion de voir du monde. D'avoir... Et je me suis dit que je pouvais rendre ce qui avait été donné à mes parents. Ça fait longtemps que je fais du bénévolat, vous savez. On a du temps et puis c'est tellement sympa de faire quelque chose pour les autres. Et après, alors il y a un grand travail, c'est au moment du service. Parce que là, en réalité, tout le monde donne un coup de main pour servir les gens plus ou moins en même temps. Une belle assiette de roast beef, salade de pommes de terre, sauce tartare. Je vous souhaite à tous un bel appétit. Merci. Avec la joie, on vient là parce que depuis très longtemps, on vient là. Hein. Ça fait combien de temps ? Au moins 20 ans. Hein. C'est un immense plaisir de se retrouver avec les amis et puis on mange bien, c'est sympathique, on a toujours beaucoup de plaisir à venir. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, tout le monde peut y venir, il n'y a pas de prix fixé. Les gens mettent ce qu'ils veulent à la sortie, je leur répète que c'est eux qui gèrent le Filin parce que le jour où il n'y a plus d'argent dans la crousille, ben, il n'y a plus de Filin. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.